Salut. J'ai vu qu'on pouvait voir des oies, donc dans Flight Simulator, sur un lac en Grèce. J'ai l'intention d'aller le survoler avec un ULM. Donc on va prendre l'Air Création Ultra Light, un ULM gratuit qu'on trouve sur Internet. Et on va aller le chercher carrément là où il est produit, le véritable ULM. Donc en Ardèche, à côté d'Aubenas, à Lannas. Conditions de vol, météo en temps réel, donc il pleut. Et on va aller le chercher. Alors effectivement, il ne fait pas beau. Nous voilà donc dans cette ULM. On démarre les moteurs. On a le frein et direction la Grèce. On a connu de meilleurs décollages. On va dire que c'est à cause du mauvais temps. Alors pour trouver des animaux dans ce jeu, il suffit de taper faune. Là donc les animaux apparaissent et on a dit qu'on allait voir les oies du lac Vulcaria. Hop, on y est. Et on démarre le vol. Nous voilà sur le lac. Alors comme pour la vidéo précédente, j'ai mis les données de la région en cache. C'est-à-dire que je les ai téléchargées avant de jouer. Afin de pouvoir jouer plus rapidement. L'ordinateur n'ayant pas à récupérer les données en direct. Quand on n'a pas un débit internet très rapide. Les oies sont censées être par là-bas. Je ne sais pas si elles sont en l'air. Sur l'eau, j'aurais peut-être dû prendre un ULM amphibie. On se serait posé sur l'eau. Je ne vois rien. Pour plus de réalisme, j'ai aussi autorisé le trafic routier. Donc voilà, on voit les voitures maintenant. Je ne sais pas si ça rendra le jeu moins fluide. Si ça rend le jeu moins fluide, je les supprimerai. Donc il y a parfois des bugs au niveau des instruments, selon comment on place la tête. Et je rappelle que cet ULM est gratuit. Je vais prendre l'ULM amphibie. Nous voilà à bord de l'ULM amphibie. Je vais donc pouvoir ainsi me poser à côté des oies si on les voit. On va carrément se poser sur l'eau. Nous sommes sur l'eau et je ne vois pas d'oie. Voilà. Censé être en dessous. En dessous ou au-dessus. C'est censé être par là. Bah, du coup. On va peut-être aller chercher des plus gros animaux. Avec cet appareil, on pourrait aller chercher des éléphants. Au moins les éléphants, c'est gros. Alors. Wow. Des hippopotames. Bon. Voilà en Afrique,
ce coup-ci, je n'ai pas téléchargé la carte en avance. Je ne l'ai pas mise en cache. J'ai l'impression que c'est moins beau. Alors, quand même, les hippopotames, c'est plus gros. Non, c'est un rocher. Que je ne trouve pas d'oie passe encore, mais là. Les hippopotames. Si je n'avais pas trouvé de girafe tout à l'heure, j'aurais pensé qu'il n'y a pas d'animaux dans le jeu. C'est pas la bonne heure pour les hippopotames. Ah. En fait, ils peuvent être bien loin de l'indication. Alors, voilà les hippopotames. Ben, ils marchent au lieu de nager, mais c'est des hippopotames. Ouf, un peu hard, mais. Donc il est tout à fait possible que les animaux soient très loin de l'emplacement indiqué. Il faut vraiment bien les chercher. Des hippopotames qui marchent sur l'eau. Gros hippopotame. Ouh, que t'es gros toi. Bon, sur ces images, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, à bientôt.